comment peux-tu qualifier ta progression depuis la ceinture blanche, puis explique. OK. Une progression considérable, une grosse progression, dans tous les aspects de l'art martiaux, les techniques que j'ai apprises depuis le début de base. On les a perfectionnées, on a fait beaucoup de reps, beaucoup de répétitions, donc ça se perfectionne, ça arrive à un bon niveau. Alors ça, c'est la partie plus physique, l'endurance, le cardio est au rendez-vous aussi. Il s'améliore de classe en classe à force de faire des répétitions et tous les concepts qui rentrent. Donc au niveau psychologique, on parlait d'autodéfense un peu plus tôt. Alors je trouve que ça englobe bien tous les concepts. Alors l'autodéfense, elle se développe, elle se perfectionne, elle se peaufine. Alors, depuis la ceinture blanche, depuis le pas de ceinture jusqu'à maintenant, la barre brune, tous ces concepts-là, physiques, psychologiques et l'autodéfense, on l'améliore, on comprend plus, puis on atteint un niveau plus haut, plus élevé. Okay. C'est de l'évolution, oui. Tu atteins un niveau plus élevé, comment que... En faisant des répétitions. Comment que tu sens que... C'est quoi que tu avais besoin au départ avant de commencer l'entraînement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es, mettons, inscrit à l'école? Qu'est-ce qu'il y avait comme point? Principalement besoin de bouger. Principalement besoin d'un sport. Tout simplement. Puis en arrivant ici, j'ai vu que c'était plus gros que ça. C'était plus large que juste le physique. Puis le fait de vouloir bouger. Puis c'est ce qui a gardé motivé à en donner plus et à continuer. Comment tu vois les arts martiaux en général? Comment que ça te, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ou comment tu vois ça, Esther, avec ton nouvel œil par rapport à ton ancien œil? Je sais que tu viens d'en parler un peu, mais... Plus de discipline, plus de focus. C'est comme ça que je le vois. Je le vois comme étant un bon élément pour pratiquer ça, pour être plus focus dans ta vie, pour être plus discipliné dans ta vie. Pas juste pour le sport, pour tout ce qui englobe le travail, puis les temps libres, la vie familiale. Fait que quand un coup tu maîtrises les concepts, bien, tu peux les appliquer, puis ça, nécessairement, ça va t'aider. Alors j'essaie juste de tirer le positif de tout ça, puis l'art martiaux aide. À ça. OK, je te remercie beaucoup. Bienvenue. De rien. OK, parfait. Plaisir.